Il y a combien de spawners dans votre farm à golem? 88 stacks. 80... Toujours plus. Les amis, bienvenue sur l'épisode numéro 5, présentation de faction. Aujourd'hui, on présente une faction qui farm au golem. C'est bientôt plus de 8000 spawners de golem. Voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Si le concept te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like. Les amis, aujourd'hui, je suis avec la faction impériale. Je suis avec Tchernobyl, je suis avec GTS de clic droit et je suis avec Aska. Salut les gars. Salut. Salut. Donc les gars, vous avez un AP, votre AP, est-ce qu'il est rentable ou pas sur le serveur déjà? Première question. Oh oui. Donc les joueurs tombent ici tout simplement et puis là, oh bien, ils sont bien vos systèmes de trappe comme ça. Vous avez un FOM ou pas dans votre faction ou pas du tout? C'est ça la base. D'accord, donc c'est votre le FOM de votre base. C'est l'AP quoi en gros. Ouais voilà. Ok ouais, d'accord. Un peu. Donc j'ai une farm à golem. Vous avez une farm à golem, ouais, on va visiter votre farm, c'est votre monnaie principale, je pense, dans votre faction. Ça. Elle vous rapporte très combien principal. Avant qu'on va visualiser à peu votre près, farm. À peu près 1 B en 4-5 minutes, et par heure, à part heure, enfin un peu moins parce que les opérés saturent, mais à peu près 1 B en 5 minutes. Donc ici, ouais. Les gars, c'est votre. C'est quoi ici? C'est vos coffres cachés, c'est quoi? Ouais, c'est coffres ouais, un peu. Plus. Bah, c'est un pillable à part avec des canons à sable en très longtemps, quoi. D'accord, ok. Donc là, c'est tous vos coffres avec vos bons stuff. Je suppose qu'il y a ouais, des T22, il y a des P40, P35 peut-être. Ouais, normalement, il y a un peu de stuff ici, là. Ouais, il y a mes T22 parce que j'en ai trop. J'ai envie de cliquer dans les coffres. Donc les amis, vous savez que dans chaque vidéo de présentation, il y a un coffre qui est caché. Voici les coordonnées du coffre. Vous allez pouvoir y retrouver une T23 en 5 exemplaires. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. Bon PVP sur Warcraft. Ah, c'est dans le même bâtiment ouais, oui. Ah oui, il y a tout. Alors là, les gens, je vous cache pas que je vais commencer à bugger. Hein, parce que vraiment, c'est un truc de fou la farm. Alors, je vous explique juste après comment on fait pour faire tomber les fers, là, parce que ça m'a fait rigoler. Alors, donc voilà, les amis, tous les golems qui tombent ici. Donc, vous pouvez voir tous les fers. C'est impressionnant, sincèrement. C'est impressionnant. Il y a 80 stacks. 5000. Ouais, à peu près. Putain, mais c'est un truc de malade. Donc là, je vais pas monter en haut parce que sinon, je vais bugger, les gars. Donc on les voit un peu de loin comme ça. Et là il y a tous les golems qui tombent. Et il y a le fer qui... Bah donc les golems tu vois ils meurent. Et après le fer il part dans l'eau. Tu vois tu suis le petit fer là, le petit chemin. Et après ici... C'est une fente. Et après ici tu vois le fer tombe. Et après tu vois le système ingénieur des joueurs plein par exemple ici. Si les coffres sont pleins, hop ça va recracher. Et du coup l'eau elle fait un parcours avec les fers en fait. Et ça fait ça tout le long de leur base. Donc en fait c'est vraiment un peu, tu vois les bûches dans les parcs genre Astérix et Disney, des trucs comme ça, genre en fait tu vois c'est comme ça, le fer se balade jusqu'à temps que les coffres soient remplis. Mais c'est vraiment une très très bonne stratégie les gars, c'est vraiment bien réfléchi. Ah ouais. Donc les gars, est-ce que votre faction elle recrute ou pas sur le serveur? Oui. D'accord, vous recrutez des gradés, des non gradés, fort en PVP, autonome? De tout mais surtout genre PVP. D'accord, est-ce que vous participez beaucoup, vous, au Totem et au KOTH maintenant ou pas? Parce que c'est une faction qu'on n'entendait pas trop parler. Et là, ouais, vous êtes en train créé. De... Je l'ai créé il y a une semaine, en gros. Ouais, et là, vous êtes en train de vous faire connaître petit à petit sur le serveur. C'est ça qui est cool, d'avoir des nouvelles grosses factions qui arrivent. Quelle faction vous détestez, vous, dans le serveur au Far West, par exemple? Galaxy, Sinistra, non. Moi, ma source de monnaie, c'est mon casino. Ah oui, le casino. Alors, on va visiter ton casino. Tiens, Aska, vas-y, on va s'était pas à toi parce que je sais que t'es fier de ton casino. Il est content. On va aller voir son casino, les amis. Donc, vas-y, présente-nous ton petit casino. En gros, moi je suis de ce côté-là. Et puis, donc, il y a le joueur en face. Il me donne une mise entre donc, 10 milliards et 4 milliards ou plus. Et donc, si. Avec de la bonne mille. Je mets sur les blocs et par exemple si par exemple là il mise 10 millions, bah, il gagnerait le double comme là c'est marqué. Là c'est marqué sur les panneaux, là on peut y avoir jusqu'à 3 fleurs. Il y a des multiplicateurs. Ouais. Faut le savoir les amis, c'est incroyable, il se fait les couilles en or. Donc après cette vidéo, je pense que tout le monde va s'amuser à faire un casino comme ça. On va se retrouver avec des fleurs partout. Et avec ça, tu t'es fait combien d'argent à peu près sur le serveur Aska? En un jour, 110 milliards, 30. Putain, mais c'est un truc de ouf. J'ai un double compte qui est prenable top. Bon, en tout cas, les gars, je vous remercie pour cette présentation de faction. Attends,
On avait une petite idée, ce serait que tu vendes nos coffres à faire et que tu le fasses gagner à un joueur aléatoire. Ah oui, alors d'accord. Donc alors, vos coffres quoi? Nos coffres de notre farm à faire, à Golem. Attends. Ouais, normalement, tu peux, dois commencer par cette colonne. Genre tu fais ce truc, ensuite ce truc, ce truc, ce truc. Tu fais mais ça non. Chaque mais non, mais c'est long. Et je dois faire tous les coffres vraiment? Ouais, il faut que tu fasses un clic par coffre, faut pas genre, faut pas laisser appuyer et monter. Sinon ça ne marche pas à chaque coffre. Je suis K7B. Et aussi, c'est moi qui t'ai passé 5B que tu feras gagner sur ta vidéo. Ça c'est long quand même à vendre avec les bâtons de vente. Donc les amis, pour participer, les gars, il faut marquer votre pseudo Minecraft sous cette vidéo. Et puis voilà, vous verrez bien si vous avez gagné ma somme ou pas durant les jours qui vont suivre la sortie de cette vidéo. En tout cas les gars, merci pour votre présentation, vous êtes une faction agréable à écouter et à voir. Merci pour aussi avoir répondu aux questions. Et puis bah, n'hésitez pas les gars à liker, à vous abonner. Et voilà les gars, très bonne soirée à vous, très bon jeu. Bye bye. Vas-y, toi aussi. Plus. Bye bye.